Le mardi, normalement, on se lève vers 7h avec ma coloc. Après, on va déjeuner. Après ça, il y a la muscu à 7h45 et on finit à 9h. On prend la navette à 9h30. Et à 10h, on a les cours. Et on finit les cours vers 13h. On arrive au crêpes à 13h30. On mange. On a un petit temps de repos après environ 45 minutes. Ensuite, on va à l'entraînement et après, on a encore muscu. L'alimentation, elle est centrale pour moi, oui et non, parce que ça dépend des moments dans la saison. On a la période hivernale où on ne lance pas, donc on peut manger un peu ce qu'on veut. Et plus on va se rapprocher de l'été, plus on va faire attention à ce qu'on mange. C'est un sport où on va allier à la fois la force et la vitesse. Et pour avoir de la force, eh bien, il faut bien évidemment un constituant musculaire que sont les protéines. Avant une épreuve, en général, on mange des choses plutôt qui calent. Souvent des légumineuses, donc par exemple, c'est des haricots rouges, tout ce qui est un peu blé. Et à côté, on mange du riz. Et après, on peut manger du poulet, pas trop de la viande rouge, c'est difficile à digérer. Je pense vraiment que c'est une habitude qu'on nous a donnée depuis qu'on est tout petit, mais si on m'avait dit là, tu ne manges pas de viande, j'aurais très bien pu faire ça. On parle régulièrement de l'alimentation avec elle, aussi bien pour prendre du poids, parce qu'on a des filles qui sont plutôt, on va dire, fines. Alors oui, je suis un petit régime pour prendre de la masse musculaire et aussi masse grasse. Par exemple, je suis la diététicienne, elle me dit de prendre des légumineuses, d'accentuer sur les pâtes, le riz. On se pèse tous les mercredis et la balance, donc elle calcule notre poids, notre masse maigre et notre masse grasse. Ça nous permet de voir notre évolution pour savoir s'il y a des choses à changer justement dans l'alimentation. On va dire qu'avant les grosses compétitions, je vais avoir tendance à manger beaucoup de fruits, beaucoup plus de salades, beaucoup plus de légumes. Les féculents, ça va être que le midi, les légumes et les fruits, beaucoup le soir. Et pour le jour de la compète, ça va être légumes, fruits et pas de viande. Mais à ce stade-là, on essaye surtout d'équilibrer le plateau. L'année prochaine, j'espère rentrer au Pôle France de Toulouse, espérer progresser un maximum dans mon poste qui est attaquante. Et espérer après peut-être partir à l'étranger dans des clubs importants et décrocher des contrats et vivre du volleyball. Depuis que j'ai commencé à faire de l'athlétisme, pour moi c'est avoir la médaille olympique, ça serait la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et d'autant plus que j'ai la chance d'avoir les Jeux à Paris. Avoir une médaille aux Jeux en 2024, c'est vraiment l'objectif de ma carrière.